Comment ça fonctionne le service ici pour les chevelures temporaires qu'on appelle? Quand une dame passe la porte, elle vient s'asseoir sur votre chaise? Quand elle vient s'asseoir sur la chaise, en partant, elle a besoin qu'on y remonte énormément le moral parce que c'est pas évident de te faire dire, parce qu'elle arrive ici avec un diagnostic. Normalement, la première porte qu'ils font, c'est la coiffure parce que le diagnostic te dit cancer, te dit perte de cheveux. Et ça, c'est traumatisant et épeurant. Et quand ils arrivent ici, c'est sûr que ce qu'il faut faire, c'est les rassurer. Et à partir du moment où on rouvre les portes, qu'on leur dit, ben regarde, c'est pas vrai que t'auras plus de cheveux, on va pouvoir, ça sera pas les tiens, mais ça va être quelque chose qui va t'aider puis qui va te faire voir que t'es belle pareil, puis que t'es encore, que t'en aies des cheveux, que ce soit les tiens ou pas, c'est beau, c'est valorisant. Puis à partir du moment où on leur montre que on peut les aider, qu'il y en a de toutes les couleurs, tous les modèles, de l'autre côté j'ai du blond, bon. À partir de là, on les sécurise. Et à partir du moment où on les a sécurisés, ils sentent déjà mieux. Et la dame qui est entrée ici, en bas de la côte, elle ressort d'ici, en haut de la côte, parce qu'elle se dit, bon, elle est belle, elle a pris ses cheveux. Et à partir de là, elle n'a pas l'impression qu'elle est encore malade. C'est comme on vient d'y enlever un poids. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on a fait l'ajustement, parce que tout ça, ça s'ajuste, on ajuste selon les goûts. Puis là, on peut dire souvent, moi, je vais lui dire à la dame, bon, ben dans ton grand malheur, il y a aussi un petit bonheur. Tu vas pouvoir faire ce que tu peux jamais faire sa coiffeuse. Changer de tête, de couleur et de coupe de cheveux aux deux semaines. Là, tu peux le faire. Tu as le droit de changer ta tête à toutes les mois, si tu veux, aux deux semaines. Et ça fait comme dédramatiser tout ça. Puis là, ben, souvent, je vais revoir mes invités vont revenir régulièrement. Ah, j'ai le goût d'avoir des cheveux courts. Ça fait longtemps, cette année, je veux des cheveux longs. Puis nanana. Ben, c'est un petit bonheur qui font oublier la maladie aussi, en quelque part.